Chers apprenants, bonjour. C'est le professeur Dokolo qui, aujourd'hui, vient pour achever l'explication des conceptions de la conscience. Bien avant de poursuivre cet enseignement, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Deux garçons, autour d'un verre, étaient en discussion. L'un affirmait que la valeur d'un verre relève du fait qu'il soit vide. L'autre dira non, la valeur d'un verre se mesure à partir de son contenu. Ils ne trouvèrent pas de solution, ils eurent donc recours à un aîné. Après qu'ils aient chacun soutenu leur point de vue, l'aîné trancha. Qu'il soit vide, qu'il soit plein, le verre reste le verre. C'est pour dire, toute notion a un double sens. Voilà la leçon à retenir de cette anecdote. Pour ce qui est de la séance de ce jour, à la fin de la présente séance, portant sur l'explication des conceptions de la conscience, l'apprenant de la classe de terminale doit être capable d'expliquer toutes les deux conceptions de la conscience à partir des explications du professeur. Lorsqu'on parle des conceptions de la conscience, il y en a deux. Nous avons la conception cartésienne qui est fondée sur le cogito et la conception husserlienne fondée sur l'intentionnalité. Dernièrement, en étudiant la conception cartésienne, il a été mentionné que la conscience, selon René Descartes, la conscience est l'expérience intérieure. De la mise en évidence du je pensant. Je pensant, sujet pensant. Avec René Descartes, la conscience est l'expérience intérieure de la mise en évidence du je pensant. Il donne cette explication à partir de la définition de la notion pensée. Lorsqu'il dit qu'il entend par pensée tout ce qui se passe en nous, que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes sans intermédiaire. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur du sujet pensant. On déduit que la conscience devient donc l'expérience intérieure de la mise en évidence du je pensant. Ensuite, il a été mentionné
l'évidence de la conscience. Selon René Descartes, bien sûr, est établi à l'issue de l'épreuve du doute méthodique. Donc, la conscience est évidente à l'issue de l'épreuve du doute méthodique. Qu'en est-il du doute? Qu'en est-il du doute? Selon René Descartes, pour que la conscience soit évidente, faudrait que le sujet pensant passe par l'épreuve du doute. Et cette épreuve est échelonnée en trois étapes. Donc, nous parlons des étapes du doute méthodique. Le doute méthodique s'opère en trois étapes. La première étape, c'est la remise en cause. Remise en cause de la connaissance sensible. Deuxième étape, c'est la remise en cause des connaissances préconçues. Connaissances préconçues et traditionnelles. Et enfin, la troisième et la dernière étape, c'est la remise en cause des illusions, des rêves. Des illusions, des rêves. Après que le jeu pensant et traverser chacune des trois étapes, surgit ce qu'on appelle le sommet du doute. Le sommet du doute. Au sommet donc du doute méthodique, surgit une évidence. Il s'agit de la conscience. Et Descartes en parle en termes de découverte. Donc, la découverte découverte d'une évidence subjective. Découverte d'une évidence subjective. Cette découverte, René Descartes la mentionne dans le discours de la méthode. Dans le discours de la méthode,
précisément dans la quatrième partie. Et il illustre en des termes ci après. Pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, et il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Était si ferme et si assuré que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Tout à l'heure, nous disions que l'évidence de la conscience est établie à l'issue du doute méthodique. Et ce doute s'opère en trois étapes. Et l'issue donc de ce doute méthodique, c'est la découverte d'une évidence subjective. C'est-à-dire, il s'agit ici de l'être même du sujet qui se découvre après le doute. On peut douter de tout, mais on ne peut pas douter du fait que l'on est en train de douter. Tout comme on ne peut pas douter du fait que l'on est en train de penser. Et là, Descartes déduit, je pense, donc je suis. Et c'est donc un principe philosophique qui vient établir. Alors, la conscience, une fois qu'elle est établie comme un principe, traduit donc l'essence. Donc, conscience, d'après René Descartes, traduction de l'essence, de la nature ou de la nature pensante de l'homme, Donc, la conscience traduit la nature, donc la propriété qu'a l'homme d'être un être pensant. Et il explique en des termes ci après, si j'eus seulement cessé de penser, je n'avais aucune raison de croire que j'eusse été. Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser. Donc, par la découverte de la conscience, l'homme prend conscience du fait qu'il est un être pensant. Parce que une fois qu'il suppose que la conscience n'existe pas, lui non plus, il n'existe plus. Je pense, donc je suis. Dès lors que je suis, à partir de la pensée, donc je suis un être pensant. Que faut-il donc retenir de la nature de la conscience chez René Descartes? Premièrement, la conscience chez René Descartes est insulaire. Au début, nous avons dit qu'elle est cette expérience intérieure de la mise en évidence du sujet. Donc, elle est insulaire. C'est un repli sur soi, premièrement. Deuxièmement, la conscience traduit la nature ou l'essence de l'homme.
C'est par la conscience que l'homme se définit. Et comment se définit-il? Il se définit comme étant un sujet pensant. Nous sommes avec René Descartes. Il convient donc de retenir que chez René Descartes, la conscience est le principe conditionnant l'existence et l'essence ou la nature du sujet, c'est-à-dire de l'homme. Et ce double conditionnement traduit la fusion ontologique, l'unité, on va dire. L'unité. Donc, fusion ontologique. Autrement dit, l'unité. Fusion ontologique entre le je pensant, entre le je pensant et sa propre conscience. En d'autres termes, on ne peut pas séparer le je pensant ou le sujet pensant de sa pensée ou de sa conscience. Les deux vont de pair, d'où la notion de fusion ontologique. Bien, voilà en un mot ce que l'on peut retenir de la conception cartésienne à propos de la nature de la conscience. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur l'intentionnalité, donc la nature même de la conscience chez Edmund Husserl. Bien avant d'analyser cette conception husserlienne de la conscience, il est judicieux de parler de ce philosophe. Edmund Husserl est un philosophe allemand, né en 1859. Et il est mort en 1938. Philosophe allemand, né en 1859, mort en 1938. Edmund Husserl vient donner une autre orientation à la conscience. Si, chez René Descartes, la conscience est un repli sur soi, chez Edmund Husserl, la conscience prend une autre orientation. À ce niveau, Husserl vient déjà mettre en crise l'insularité de la conscience. Mise en crise de l'insularité de la conscience. Mise en crise de l'insularité de la conscience. Autrement dit, Husserl n'est pas du même avis que René Descartes. L'avis selon lequel la conscience est un repli sur soi. Husserl dit non. Il faut donner une autre orientation à la conscience. Quelle est cette orientation? Cette nouvelle orientation que Edmund Husserl vient donner à la conscience part du concept intentionnalité.
Qu'est-ce qu'on entend par intentionnalité? D'après le Larousse, l'intentionnalité est la relation. La relation active de l'esprit à un objet quelconque. Parler d'intentionnalité, c'est donc mettre en relation la conscience et un objet. C'est donc la nouvelle orientation que Edmund Husserl vient donner à la conscience. Rien qu'à partir de cette définition de l'intentionnalité, la conscience n'est plus un repli sur soi, mais une ouverture vers la réalité extérieure. Il y a donc un rapport. Un rapport de rapprochement. Un rapport de rapprochement entre la conscience et l'objet ou le phénomène. En établissant donc ce rapport de rapprochement entre la conscience et l'objet ou le phénomène, Edmund Husserl vient critiquer le cogito ergo sum. Selon Edmund Husserl, le cogito ergo sum accuse ce que l'on appelle la stérilité cognitive. Donc, cogito, d'après Edmund Husserl, c'est une stérilité cognitive. Comment traduit-il cette stérilité cognitive de la conscience à partir du cogito? Dans son ouvrage intitulé « Les méditations cartésiennes », donc nous reproduisons cela ici, « Cogito, une stérilité, pour plus de précision, « Cogito cartésien », une stérilité cognitive selon Husserl. Et comment le justifie-t-il? Il le justifie à travers l'affirmation suivante. Nous citons donc Edmund Husserl. Il dit ce qui suit. L'évidence cartésienne celle de la proposition «
de la proposition. Ego cogito. Ego cogito. Ego sum. Est demeuré stérile. Ce qui est stérile, c'est ce qui ne produit rien. Donc, du point de vue du processus de la connaissance, à propos des rapports de l'homme avec le monde, d'après Edmund Husserl, le cogito cartésien est une stérilité cognitive. Et il déclare, l'évidence cartésienne, celle de la proposition ego cogito ergo sum, est demeurée stérile. Mais pourquoi affirme-t-il que cette évidence est demeurée stérile? Il part de deux faits. Premièrement, le doute méthodique cartésien accuse des insuffisances et est parcellaire. Le doute méthodique cartésien accuse des insuffisances si ce doute méthodique accuse des insuffisances parce qu'il est parcellaire. Il est parcellaire. Il est parcellaire. La parcellarité du doute méthodique cartésien, selon Edmund Husserl, s'explique par le fait que il établit une césure entre le sujet et l'objet. Césure, séparation. Entre le sujet et l'objet. Dès lors que le doute méthodique cartésien vient mettre en césure le sujet et l'objet, comment peut-on parler de conscience? Comment peut-on parler de connaissance? Pour qu'il y ait conscience, en toute évidence, il faudrait que cela traduise le rapport entre l'homme et le monde, cet ensemble constitué des objets et des phénomènes. Selon Husserl, René Descartes n'a pas traduit cela. D'où la stérilité du cogito cartésien. « Je pense donc je suis » n'est pas suffisant. Il ne suffit pas uniquement de penser et d'être pour être conscient du monde ou pour qu'il y ait rapport avec le monde. Voilà, en quelques mots, le reproche que Edmund Husserl vient adresser à René Descartes. Premier fait. Second fait.
à négliger Descartes a négligé le fait que Descartes a négligé le fait que l'ego, le fait que l'ego, ou je pensant, hein, le je pensant, l'ego, entre parenthèses, je pensant. Attention, ici, pensant n'est pas un participe présent, c'est un qualificatif. Hein, le je qui pense, voilà. Descartes a négligé le fait que l'ego, c'est-à-dire le je pensant, peut s'expliciter, peut s'expliciter, c'est-à-dire s'orienter vers un ailleurs, vers un ailleurs. Voilà les deux faits qui traduisent la stérilité cognitive du cogito cartésien. Alors, Husserl ne s'arrête pas seulement à la critique qu'il adresse à René Descartes. Il fait donc des propositions. Dès lors que le cogito cartésien accuse des carences, des insuffisances, il faut donner à la conscience une autre orientation. Et comment se traduit cette orientation? C'est qu'il faut partir du fait qu'il n'y a de conscience que de quelque chose. En d'autres termes, il n'y a pas de conscience que de soi. Husserl dit non. Il n'y a pas que de conscience de soi. Bien plus, il n'y a de conscience que de quelque chose. La conscience porte nécessairement sur un objet, sur un phénomène. Or, l'objet, tout comme le phénomène, sont en dehors du sujet. Ils sont hors du sujet. Ils ne sont pas dans le sujet. D'où la nécessité de s'orienter vers un ailleurs. Et cet ailleurs renvoie au monde. L'ailleurs, c'est le monde dans lequel on retrouve les objets, les phénomènes à connaître. Alors, que dit-il en substance? Après donc qu'il ait critiqué le cogito cartésien, il fait donc des propositions. Donc, il ne critique pas pour le plaisir de critiquer, non. Il critique tout en apportant des réformes. Husserl affirme ce qui suit. État de conscience tout état de conscience
ou état de conscience en général. En général, est en lui-même, hein, en soi. Est en lui-même conscience de quelque chose. Conscience de quelque chose. N'oublions pas, nous avons dit que Husserl a remis en cause l'insularité de la conscience, tout en affirmant que le cogito cartésien est une stérilité cognitive. Tout état de conscience en général est en lui-même conscience de quelque chose. Il poursuit. Par conséquent, il faut élargir le contenu de l'ego sur le E. C'est un mot latin. Il n'y a pas d'accent. Il faut élargir le contenu de l'ego cogito transcendantal. Transcendantal. De l'ego cogito transcendantal. Virgule. Lui ajouter. Lui ajouter. Un élément nouveau. Ce que René Descartes n'a pas fait. Il faut élargir le contenu de l'ego cogito transcendantal, lui ajouter un élément nouveau et dire que tout cogito et dire que tout cogito, ou encore, tout état de conscience, ou encore tout état de conscience, tout état de conscience vise. L'auteur avait utilisé les guillemets dans son texte. Vise. Nous allons expliquer pourquoi les guillemets. Vise quelque chose. Vise quelque chose. Et qu'il porte
et qu'il porte en lui-même. Et qu'il porte en lui-même en tant que visé. Et qu'il porte en lui-même en tant que visé. Son cogitatum, respectif. Voilà la nouvelle orientation à propos de la nature de la conscience que vient proposer Edmund Husserl à l'encontre de l'orientation faite par René Descartes. Tout état de conscience en général est en lui-même conscience de quelque chose. Or, chez René Descartes, on peut dire qu'il n'y a de conscience que de soi. Par contre, chez Husserl, il n'y a de conscience que de quelque chose. En un mot, la conscience n'est évidente et certaine que lorsqu'elle est en relation avec l'objet. Or, l'objet fait partie du monde extérieur. L'objet ou le phénomène n'est pas dans le sujet. Partant donc de cette affirmation, il fait la proposition suivante. Il faut élargir le contenu de l'ego cogito. Il faut élargir le contenu du je pensant. Le je pensant ne doit plus se replier sur lui-même. Il doit plutôt viser l'objet. Viser. Je porte mon attention vers un objet sur lequel je vais donc élaborer des représentations. Lorsque Husserl affirme cela, il vient donc balayer, remettre à plat la notion des idées claires et distinctes. Les idées claires et distinctes ne suffisent pas pour que la conscience soit évidente. Non. Pour qu'elle soit évidente, la conscience doit avoir un contenu. Or, attribuer un contenu à la conscience signifie qu'il faut donc l'orienter vers un ailleurs. Alors, cette affirmation, vous la retrouverez dans l'ouvrage de Edmund Husserl, intitulé « Méditation cartésienne ». Méditation cartésienne. Cartésienne. Nous soulignons le titre de l'ouvrage. Traduit. Donc, traduction de Péfer. Traduction.
j'ai PFR. Et Levinas. Ce sont donc ces deux auteurs, ces deux traducteurs qui ont traduit les méditations cartésiennes. Au départ, l'ouvrage est publié en langue allemande. Et eux, ils vont donc le traduire en français. Et la version française est éditée et publiée à Paris, aux éditions Vra. En 1947, et la citation, vous la trouverez à la page 28 de cet ouvrage. Donc, l'ouvrage est de Edmund Husserl. Au départ, je disais, il est publié en anglais et traduit par Pfeffer et Levinas pour qu'il soit publié aux éditions Vrin en 1947. Bien. À la lumière de cette affirmation de Edmund Husserl, il faut retenir deux faits. Premièrement, il faut sortir la conscience de l'insularité pour l'élargir. Il y a donc l'élargissement du contenu de l'ego cogito transcendant second fait il y a l'unité cogito cogitatum Qu'est-ce que cela veut dire? Élargir le contenu de l'ego cogito transcendantal. Lorsqu'on parle d'élargissement, on se détache du lieu ou du point où l'on se retrouvait renfermé. Il y a élargissement. On part de sa subjectivité pour s'orienter vers l'objet ou le phénomène, l'élargissement. Et dès lors qu'il y a élargissement de l'ego cogito transcendant, donc de son contenu, il y a donc unité cogito cogitatum, unité conscience objet, unité conscience phénomène, unité conscience chose pensée, unité. Ça part donc de l'élargissement. Fort donc de ces deux constats, ou de ces deux conséquences, que faut-il retenir? Premièrement, de par l'élargissement de l'ego cogito, eh bien, être conscient, c'est faire preuve de présence au monde. Contrairement à Descartes, je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence n'est que de penser et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu ni d'aucune chose matérielle. Ici, Husserl
contredit René Descartes. Donc, être conscient, c'est faire preuve de présence au monde. C'est faire preuve de présence au monde. Que signifie faire preuve de présence au monde? Être conscient. Être conscient. Deux points. Faire preuve de présence au monde. Faire preuve de présence au monde, c'est donc sortir de l'insularité de soi. On sort de l'insularité de soi. Et à ce niveau, conscience, conscience devient synonyme de connaissance. Autrement dit, être conscient, c'est donc connaître l'objet ou le phénomène. Et Jean-Paul Sartre l'illustre en des termes ci-après. Jean-Paul Sartre déclare ce qui suit. Connaître, c'est-à-dire être conscient, connaître, c'est s'éclater vers, c'est s'éclater vers. C'est s'éclater vers, s'arracher, s'arracher s'arracher à la moite intimité. À la moite intimité. Gastrique. Pour filer, il y a même le verbe filer, pour filer par-delà soi, par-delà soi, par-delà soi, vers ce qui n'est pas soi. Vers ce qui n'est pas soi. Là-bas. Là-bas. Vous retrouverez cette affirmation de Jean-Paul Sartre dans son ouvrage. Dans son ouvrage. Intitulé Situation. Donc la citation est de Jean-Paul Sartre. Situation. Volume 1. Et l'article qui figure
Donc cet ouvrage est intitulé Une idée fondamentale, une idée fondamentale de la phénoménologie. De la phénoménologie de Husserl. De quoi? L'intentionnalité. L'intentionnalité. L'ouvrage est publié à Paris, aux éditions Gallimard. En 1939, et la citation, vous la retrouverez à la page 32. Bien. Nous allons chuter. Suivant donc cette affirmation de Jean-Paul Sartre, la conscience est un éclatement ou encore une ouverture au monde. Dans ce cas, la conscience devient un mouvement translucide et un jaillissement. Mouvement translucide et un jaillissement. C'est-à-dire, en s'ouvrant au monde, en s'ouvrant aux phénomènes, aux objets, la conscience en a des perceptions. Donc, ce ne sont pas des représentations vides, mais ce sont des représentations qui correspondent aux aspects physiques des objets et des phénomènes extérieurs à la conscience. Alors, dans la mesure où la conscience porte nécessairement sur une réalité extérieure, il faut donc dire que la conscience est par essence intentionnelle. La conscience est par essence, donc par nature, intentionnelle. Intentionnelle. Ce qui revient à dire. Pour ce qui est des conceptions de la conscience, la conception husserlienne est celle qui affirme que la conscience ne peut que se comprendre et se caractériser à partir de la notion d'intentionnalité. Contrairement à Descartes, qui définit la conscience à partir de la notion du cogito, ergo sum. Finalement, c'est quoi l'intentionnalité? Husserl répond. Le mot intentionnalité. Le mot intentionnalité. Ne signifie rien d'autre que, voilà, il y a une restriction, il est rigoureux, rien d'autre que
rien d'autre que cette particularité. Voilà, la particularité, la caractéristique, ce qui est propre, cette particularité foncière. Cette particularité foncière. Et générale. Elle est foncière et générale. Car la conscience d'être conscience de quelque chose. De quelque chose de porter de porter en sa qualité de cogito, en sa qualité de cogito, en sa qualité de cogito, son cogitatum. Son cogitatum en elle-même. Nous sommes toujours dans les méditations cartésiennes à la page 28. Alors, rien qu'à partir de cette définition, on s'aperçoit bien que René Descartes a déconstruit le cogito. C'est une façon de dire. Husserl est en train de reprocher à René Descartes le fait qu'il n'ait pas attribué au cogito ergo sum une réalité extérieure, c'est-à-dire un objet ou un phénomène. C'est pour autant dire que la conscience, selon Edmund Husserl, est loin d'être un repli sur soi, mais une orientation vers un ailleurs. Alors, il faut retenir qu'avec l'intentionnalité, Edmund Husserl a réhabilité la conscience. On lui accordant des contenus. Au regard de ce qui précède, chers apprenants, que peut-on retenir des conceptions de la conscience? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux conceptions qui s'opposent à propos de la nature de la conscience. Il y a la conception cartésienne d'une part, et la conception husserlienne d'autre part. Selon René Descartes, la conscience est par essence insulaire. Elle est un repli sur soi. Et pour être évidente, elle n'a besoin d'aucun lieu ni d'aucune chose matérielle. En plus, étant insulaire, elle est aussi l'expérience de la mise en évidence du je pensant, car elle résiste au doute. Dès lors qu'elle résiste au doute, elle vient établir la certitude de l'existence du je pensant. Je pense, donc je suis. Et plus loin, il nous est impossible de marquer un distinguo
entre la conscience et le je pensant. Il y a fusion, pas confusion, mais fusion. Si je cesse de penser, je n'ai aucune certitude que je suis. Pour que je sois certain que je suis, je dois penser. Or, pour penser, je dois aussi être. Donc, le fait d'être et le fait de penser vont de pair. On ne peut pas les séparer. C'est comme la peau et la chair, de façon simple. Voilà ce que l'on peut retenir de la conception cartésienne à propos de la nature de la conscience. Lorsque nous sommes chez Husserl, il y a une autre orientation. Au lieu d'être insulaire, c'est-à-dire un repli sur soi, la conscience est une ouverture au monde, une orientation vers un ailleurs. Et dans cet ailleurs, on retrouve les objets, les phénomènes. Cet ailleurs n'est autre que la réalité extérieure. Finalement, que conclure ? La conscience a un double sens. La conscience a une double nature. Elle est aussi insulaire qu'intentionnelle. Bref, nous n'allons pas terminer cet enseignement sur les conceptions de la conscience sans vous donner un sujet de réflexion. Vous prenez donc ces deux sujets et au moyen des explications que vous avez reçues, vous serez en mesure de les traiter. Sujet 1. La conscience est-elle un retournement sur soi? La conscience est-elle un retournement sur soi? Point d'interrogation. Sujet 2. La conscience est-elle un éclatement vers le monde? En traitant donc ces deux sujets, vous aurez aussi là l'opportunité de réviser ce cours portant sur les conceptions de la conscience. Voilà ce qui vous a été réservé à propos de la conception husserlienne de la conscience. Aux prochaines retrouvailles, au prochain banquet de la raison.